Donc c'est illustré avec une super musique. Vous voyez, ça permet vraiment de récupérer un squelette en vecteur dans un univers 3D. Donc c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est interactif. La motion capture. Voilà. On peut vraiment dissocier plusieurs personnages. Là, c'est un exemple avec Animata qui permet à partir de dessins de les animer en leur donnant vraiment un squelette. Associé avec la Kinect et OS Skeleton, vous pouvez vraiment animer un personnage en direct. Ça paraît bien réactif. Là, c'est un autre exemple avec processing et des librairies complémentaires. Donc, moi, mon tutoriel portera sur la motion capture et le logiciel processing.